Le Mandaléum, dans les années 70, c'était cela. Un bâtiment à l'abandon, des vitres cassées, des milliers de caisses gardées par des pigeons. Dans ces caisses, une documentation immense et hétéroclite rassemblée par un homme, Paul Hotley. Je le répète, mes papiers forment un tout. Chaque partie s'y rattache pour constituer une œuvre unique. Mes archives sont un mundus mundaneum, un outil conçu pour la connaissance du monde. Conservez-les. Faites pour elles ce que moi j'aurais fait. Ne les détruisez pas. Ce message ne fut pas entendu. Pendant 30 ans, ces caisses furent inaccessibles. Elles passèrent d'un lieu à l'autre et beaucoup se perdirent. Elles furent finalement sauvées et hébergées à Mons. Je voulais en savoir plus. J'ai demandé à Leïla, jeune chercheuse, de m'accompagner dans cette quête. Qui était cet homme ? Paul Hotley avait-il vraiment été le théoricien de la Société des Nations ? L'inventeur du microfilm et de la classification décimale universelle ? Le compagnon d'Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix en 1913 ? L'ami de Le Corbusier et l'un des précurseurs d'Internet ? Je décidai d'en faire un film, de faire revivre Paul Hotley, de retracer sa vie à partir d'une centaine de caisses personnelles jamais inventoriées. Nous sommes le 24 avril. Nous nous donnons jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire un peu plus de 6 mois. Par où commencer ? Testament. Moi, nom, prénom... Mon écriture ? Elle est horrible et j'ai pitié de ceux qui doivent me lire. Libre ? J'écris beaucoup. J'écris facilement, j'écris avec plaisir. J'écris pour rendre claire ma pensée, pour avancer mes travaux, et pour me souvenir. J'écris pour me relancer l'esprit. Peu à peu, nous arrivons à déchiffrer. Et derrière d'horribles pattes de mouche, nous découvrons un homme qui se confie volontiers dans l'écriture. Tout ce que je me rappelle de mon enfance, le voici Tout en quelques mots. Je suis né à Bruxelles en 1868, de parents eux-mêmes bruxellois. Quand ma mère mourut, je devais avoir 2 ans et demi ou 3 ans. Édouard Hotley, mon père, était sénateur d'un parti indépendant allié aux catholiques. Ce père ne s'occupait pas du détail de mon éducation et voulait pour moi la liberté. N'allant pas en classe, nous n'avions pas d'amis. Peut-être dois-je rechercher là mon goût pour l'isolement et pour l'étude. Au plus loin de ma vie, je me vois attiré par le papier et l'écriture. Xénophon, géographie, grec. Mon père était un vrai capitaine d'affaires. Un homme de rare génie financier, un véritable créateur d'industrie. Et comme industrie, le transport. De chemin de fer, de tramway, dans tous les pays du monde. En Europe, en Russie, en Argentine, au Brésil. En 1880, rien n'est impossible pour Édouard Hotley. Rien n'est trop reculé, rien n'est inaccessible. Et Paul, son fils, héritera de ce sentiment d'appartenance au monde. L'île du Levant par Paul Hotley. Quatrième jour de recherche. 10e carton. Impression de mon premier voyage. Manuscrit introduction. Il y a un an et demi environ, mon père m'annonçait qu'il venait d'acheter l'île du Levant, la dernière de l'archipel des îles d'Hyères, située dans la Méditerranée. Une île. Aller en bateau, être Robinson. Que de projets ont formé déjà. Quel rêve que de posséder une île. Désireux de connaître tout de cette île, c'est elle qui fit de moi l'encyclopédiste que je suis. Ayant dû passer l'hiver là-bas avec mon frère, je rapportais ma brochure comme témoignage que j'avais continué à travailler par moi-même. C'est sur l'île du Levant que Paul Hotley, adolescent, se découvre une passion pour les collections.
propriété à Bruxelles, au fond du parc, le chalet où je fis tant d'études. Salle de travail au premier, salle des collections au rez-de-chaussée. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est le plan des vitrines des collections de Paul Otley. Et qu'il intitule déjà pompeusement Musée Paul Otley. Le contact ultérieur avec le livre fut déterminant. À Bruxelles, au Collège Saint-Michel, à 15 ans, je fus nommé bibliothécaire. Je pouvais m'enfermer dans la bibliothèque, regarder tous ces livres, lire ce que je voulais, feuilleter le catalogue. Celui-ci me paraissait une merveille, l'instrument qui me permettait d'utiliser tous ces livres. Alors naquit la première idée systématique. Huitième jour. Nous nous frayons un chemin à travers le désordre d'Otley. Leïla devient un véritable détective. C'est dingue. Il garde même les trucs déchirés. Mon père eut une influence considérable sur mon esprit. D'autant plus grande qu'il ne me demandait qu'une chose. Étudie ce que tu veux, mais fais ton droit. Tu es l'aîné, et demain je peux disparaître. Toute la fortune familiale est dans les affaires. S'il y avait une liquidation mal conduite, ce serait désastreux. Tu dois pouvoir me remplacer, un temps du moins, jusqu'à ce que les plus jeunes puissent continuer, puisque tu n'as pas beaucoup le goût des affaires, toi. Sur les conseils de son père, Paul Otley fait son droit à Louvain. À la fin de ses études, en 1890, il épouse Fernande Glonner. Il cherche sa voie et se confie abondamment dans ses très nombreux journaux intimes. Ce que je fais. Ce que je fais? Beaucoup de choses et rien du tout. Je ne parviens pas à me ressaisir. Je me gaspille au lieu de me concentrer. J'ai embrassé une carrière professionnelle alors que je n'ai jamais aimé que les études théoriques. Je ferai un bien piètre avocat. Garde. C'est ses lunettes. À 23 ans, Otley est un jeune homme riche. Un docteur en droit qui n'aime pas le droit, un jeune marié sans trop de passion pour son épouse, bientôt papa de deux petits garçons, Marcel et Jean. Mon cher papa, je suis si content que tu étais revenu de Londres. Tu n'as pas idée comme je suis content, mon cher papa. Monsieur Otley, 13 rue de Florence, Bruxelles. À Bruxelles, je fus l'un des premiers à construire d'après les idées nouvelles. Octave van Rijsselberghe fut mon architecte et il devint mon ami. L'architecture me passionne. Pour l'ameublement et l'achèvement intérieur, Otley fait appel à Henri van de Velde. Cet hôtel de maître construit en 1900 est la seule réalisation architecturale de Paul Otley encore existante aujourd'hui. 23e carton, 12e jour. J'entrais au barreau et j'ai trouvé une nouvelle bibliothèque. Mon maître de stage me dit « Toute la science vivante est dans les revues et il n'existe pas de catalogue ». On a besoin de la bibliographie des revues. Entreprenez-la. Ainsi parut pour la première fois le sommaire périodique des revues de droit. Ce fut la première roue de l'engrenage. Otley trouve enfin sa voie. Il se lance dans le grand œuvre. Il ne l'abandonnera plus. Il se rapproche de Henri Lafontaine, un avocat de 14 ans son aîné. Une grande amitié va les lier toute leur vie. Henri Lafontaine, en ses lointains passés, était pour le vulgum une personnalité mystérieuse. Car tout en étant avocat, comme moi, en jouissant à cette époque d'une indépendance de fortune, comme moi, d'une indifférence à l'égard du candidaton, comme moi, il était wagnérien, et pacifiste, et féministe, ce que je n'étais pas. C'est en 1895 que nous fondâmes, La Fontaine et moi, l'Institut international de bibliographie. Bientôt, l'Institut fut moi, et moi l'Institut. Une idée se précisait et nous attirait. Créer un répertoire bibliographique universel, c'est-à-dire cataloguer intégralement les œuvres de tous les temps, de tous les pays, dans tous les domaines, par auteur et par matière. Pour cela, il nous fallait un système de classification.
nous découvrîmes le système américain imaginé par Melvin Dewey. Toutes les connaissances humaines y sont réparties en 10 classes principales numérotées de 0 à 9. Chaque classe est à son tour partagée en 10 divisions, qui elles-mêmes sont divisées en 10 sections, et ainsi de suite, aussi loin que la précision du sujet l'exige. La classification décimale est comparable à un soleil dont les rayons se diffusent et se multiplient à mesure qu'il s'éloigne du centre. Ce système nous séduisit. Je l'étudiais à fond, dans ses possibilités autant que dans ses réalités, m'attardant aux transformations et adaptations nécessaires pour l'œuvre à entreprendre. Otley perfectionne le système et le transforme en véritable langage chiffré. Cela devient la CDU, la classification décimale universelle, toujours en vigueur aujourd'hui. Il faut éviter les rubriques vagues. Et les rubriques mixtes qui correspondent à des manières de voir personnelles plutôt qu'objectives. Les indices de la classification s'appliquent directement sur les publications, livres, périodiques, brevets, lois, catalogues, cartes, photographies, petits imprimés, prospectus. Ils assurent le classement rapide et sûr, apportant ainsi une économie de temps considérable, un désencombrement du bureau et des tables de travail. Il y aurait été dans le classement, il y aurait... Remarque. Comment classer ce qui est inclassable, tels que les individus. Doivent-ils se trouver dans la classe ou dans la variété? Dotés à présent d'un système de classification fiable, Otley et La Fontaine imposent le format standard de la fiche de 12,5 cm sur 7,5 cm. Le principe de la fiche vous enchantait. Les fiches qui portent les titres bibliographiques sont blanches. Celles qui marquent les divisions sont en couleur et dotées de becs ou d'encoches. Elles sont perforées au talon et maintenues en place par une tringle mobile. Pour parfaire cette première standardisation, Otley commande des meubles fichiers à 72 tiroirs. Chaque tiroir contient un millier de fiches. Réunissant toutes les forces du bureau de bibliographie que nous avions créé et celles de nos amis, nous arrivâmes à former un répertoire de 400 000 fiches. Pour Paul Otley, classer devient la plus haute opération de l'esprit humain. Il diffuse sa méthode de classification dans de nombreuses publications applicables dans tous les domaines. Mais nous attaquons le 30e carton. Pendant des années, parallèlement à son œuvre de bibliographe, Paul Otley s'occupe de créer une plage modèle à partir d'une propriété familiale de 65 hectares. Je crée Westend, la plage belge moderne, dans des dunes qui furent longtemps une de nos chasses. Là, je pus réaliser mes rêves architecturaux sur une grande échelle, faire du neuf et de l'original, toujours avec Van Rysselberghe. Sur les 60 hectares du domaine, on pourra édifier 70 villas à la digue, 800 villas dans les rues intérieures et 260 cottages isolés dans le parc des dunes. On voit bien toutes les parcelles. Tous les styles sont admissibles, mais il faut éviter autant que possible le pompeux et le solennel, peu en harmonie avec les conditions de la vie simple et fantaisiste que l'on mène au bord de la mer. C'est une époque insouciante pour la famille Otley. À Westend-Bain, ils sont chez eux. Édouard, le père, rêve d'installer un tram, un de plus. Auprès de ses fils, Paul a oublié ses fiches, mais pas ses rêves d'organisation. Le domaine de la plage demeure domaine particulier, c'est-à-dire propriété privée. Ayant été fondé en dehors de toute ingérence des pouvoirs publics, des services collectifs sont organisés. Services réguliers de transport entre la plage et le tramway vicinal.
service de voirie pour l'entretien des routes et la vidange des fosses. Surveillance des bains. Construction d'une usine pour l'éclairage électrique des avenues et des villas. Organisation d'un service des postes, télégraphes et téléphones. Création d'un comité des fêtes pour l'amusement des petits et des grands, car c'est surtout la plage des enfants. West Handbain fut complètement détruite lors de la Première Guerre mondiale. De ce rêve familial, de cette utopie miniature, il ne reste plus rien. En 1905, l'ensemble du répertoire bibliographique atteint plus de 7 millions de fiches, classées par nom d'auteur et par matière. Otley commence à rêver d'une bibliothèque universelle. Grâce à notre répertoire, tous les livres, tous les articles, tous les mémoires, toutes les informations publiées ne sont plus que des chapitres, des sections, des paragraphes, des alinéas d'un seul et immense livre, le livre de la science universelle. C'est ce livre unique, réalisé à partir des livres particuliers, qu'il faut mettre à la disposition de tous. Otley passe un accord avec la Library of Congress à Washington. 600 000 fiches sont échangées entre la Grande Bibliothèque américaine et l'Institut de Bruxelles. Le nombre d'ouvrages imprimés augmente à une vitesse exponentielle et Otley risque de se voir dépassé. Pourtant, il ne s'arrête pas là. Parallèlement aux livres, il veut aussi répertorier toutes les formes de documents. Petits imprimés, articles de journaux, photographies. Il crée alors le répertoire de documentation et le répertoire iconographique universel, classé de la même manière. Regarde ce que j'ai trouvé là-dedans. C'est quoi, chocolat? C'est des films, je crois. En 1911, Otley invente le microfilm avec l'ingénieur Robert Goldschmidt. Il est un des premiers à avoir eu l'idée de reproduire photographiquement les pages des livres pour mieux les archiver. Pour lui, c'est aussi une manière économique de fournir à tous des copies de documents, des partitions musicales, des manuscrits, des éditions rares. Trente-cinquième carton. Bonsoir, petite adorée. Alors que nous ne savons rien sur Fernande, l'épouse de Paul, voici que nous découvrons les traces d'une autre femme. Fräulein van Nederasselt. Souvenir d'un dîner. Gâteau, gâteauille, gâteauille. Ce sont vos trois gâteau. Noms. Un pour chaque moment. Gâteauille, gâteauille. Ce sont vos trois noms. Un pour chaque moment, trois coups d'archer, trois cordes pincées de votre harpe totale. Et voilà. Frémissez, Cato, car je vous regarde. Tressaillez, car je vous attouche. Cato, ceux qui m'avaient m'ont laissé partir. Et j'ai été à toi. Je me suis donné à toi. Tu m'as fait connaître toute la grandeur d'un cœur qui aime. Je suis à toi, fidèlement, loyalement, amoureusement. En 1912, Paul Otley, divorcé, épouse Cato van Nederasselt. Et au dos de cette photo, il écrit « Un couple aimé et aimable ». À travers l'Institut international de bibliographie, Otley et La Fontaine découvrent le nombre important d'associations internationales établies en Belgique. Permanent d'arbitrage, Bureau international pour la paix, Carnegie Endowment for International Peace, Comité Nobel du Parlement norvégien, Institut polaire international,
Salvation Army, Conseil international des femmes, Association internationale de la Croix-Rouge, Union internationale des amis de la jeune fille, British and Foreign Anti-Slavery Society, Union postale internationale, The Independent... Tous les deux perçoivent l'importance de ces associations et proposent en 1910 d'organiser un congrès mondial des associations internationales. Partie de la bibliographie, nous aboutissions à l'internationalisme. J'aime alors l'idée d'un musée international destiné à montrer les progrès accomplis dans tous les domaines par ces associations. Le côté internationaliste de ce musée intrigue le richissime mécène américain, le roi de l'acier, Andrew Carnegie, qui a mis sa fortune dans la création de bibliothèques à travers le monde. Il vient spécialement à Bruxelles en 1913. Nous découvrons ce film inédit au fond d'un carton. On y voit un Paul Otley épanoui, à qui tout semble réussir. Otley guide Carnegie. Sont également présents le sénateur Lafontaine et son épouse. Le musée n'offre encore aux visiteurs qu'une ébauche de ce que ses fondateurs rêvent d'en faire. C'est surtout un musée d'idées. C'est le domaine du chiffre, du graphique, du diagramme, du schéma, mais au service du progrès et d'une meilleure entente entre les peuples. I never enjoyed a visit more. I am astonished at what I found. The directors of the international centers have shown themselves clear and far-sighted. We have decided to subsidize this great work because it will bring peace to the world. Ce subside venant en droite ligne des États-Unis encourage Paul Otley dans ses projets futurs. Tous les espoirs sont permis. Confusément, Otley commence à rêver de quelque chose de plus vaste. C'est alors qu'il découvre un projet étonnant. Ce sont les plans détaillés d'une ville imaginaire, conçus par le Norvégien Henrik Andersen et dessinés par l'architecte français Ernest Ebrard, Grand Prix de Rome. Cette ville rêvée, dont le coût total est de 500 millions de dollars, est présenté sous forme de livres aux différents pays susceptibles de l'accueillir. Andersen veut y concentrer les plus grandes forces intellectuelles de chaque nation afin d'y défendre une civilisation harmonieuse, pacifiste et progressiste. En Belgique, Lafontaine et Otley répondent avec enthousiasme. 24 février 1912. Cher monsieur Andersen, ce que nous pensons de votre projet, vous le savez, il est grandiose dans sa conception. Et les plans que nous a montrés M. Ebrard en sont dignes. Vous savez vous-même quelle est l'œuvre que nous poursuivons et quelle curieuse convergence existe entre nos vues respectives. Dear Senator Lafontaine et M. Otley, I thank you most heartily for your kind words and appreciation of the World Center that for so many years has been my chief mental and physical occupation. These architectural plans of a world center were created absolutely upon idealistical principles of harmonizing humanity. Rome, Piazza del Popolo. À 200 mètres, le palais qu'Andersen se fit construire, la Villa Hélène, aujourd'hui devenu musée Andersen. Nous venions chercher des documents, nous découvrons tout un monde. Nous allons de surprise en surprise. Henrik Andersen n'était pas norvégien, mais américain. Il n'était pas architecte, mais sculpteur et fervent admirateur de Michel-Ange.
nous décidons de prolonger notre séjour à Rome. Alors, on est allé jusqu'à quelle année? Dans ce palais habitaient Andersen et sa mère, Hélène, mais aussi Olivia Cushing, la belle-sœur d'Andersen. Écrivain, elle a tenu un journal détaillé jusqu'à sa mort en 1917. Les débuts de la cité mondiale y sont relatés jour après jour. Oh, the wonderful dream of contributing even one step toward the United States of the world. It is one of the inevitable outcomes of the future. We shall move the world now, I am certain of it. Cher Monsieur Andersen, c'est en Belgique qu'il faut établir la cité mondiale. Nous pensons à Tervuren, dans le cadre léopoldien de la forêt de Soigne, non loin du palais du Congo. Il y a là plus de 300 hectares. I feel quite sure, my dear friend Hautelet, that the King of Belgium has a keen sympathy towards our world center, and I am sure that he has no objection to its establishment in Belgium. Affectionately yours, Andersen. Avec l'appui de Paul Hautelet, Andersen est reçu par le roi Albert. Le souverain se montre ouvert à l'idée de la construction d'une cité mondiale dans les environs de Bruxelles. Début juillet, retour à Mons et à nos cartons. Voilà le diplôme du prix Nobel. Oh ! En novembre 1913, Henri Lafontaine reçoit le prix Nobel de la paix. C'est une vraie reconnaissance de l'œuvre qu'il mène depuis 20 ans avec Paul Hautelet. Grâce au montant important du prix, 143 000 couronnes norvégiennes, Lafontaine va pouvoir pendant de longues années financer les projets de Paul Hautelet au sein de l'Union des associations internationales. Est survenu. Il m'a arraché à tout le courant de pensée, de quiétude, de codification. J'assistais à toute la progression de l'invasion. À celle de la décapitation de notre État. Le nouveau monde que nous sentions se former sous l'écorce des préjugés est probablement retardé pour des siècles. L'immensité du dommage causé par la guerre. La guerre à peine commencée, Paul Hautelet travaille déjà à la future paix. En octobre 1914, j'écrivis mon livre « La fin de la guerre », que je mis sur pied tout imprimé en 5 semaines. Sous la forme d'une charte mondiale, j'y exprimais la manière dont je concevais la société des nations. Elle aurait pour objet le maintien de la paix, la garantie des droits internationaux et la gestion des intérêts communs à toute l'humanité. Tandis que ce livre est imprimé clandestinement à Bruxelles, Paul Hautelet apprend qu'un de ses fils est à Calais dans un complet dénuement. Il décide d'aller le ravitailler. Par la Hollande, l'Angleterre et la France, il se rend sur le front belge. Mon fils avait été porté disparu au combat de Stuyvesant. Je ne l'ai plus retrouvé. Il me fut refusé à ce moment de rentrer en Belgique. Et depuis, je suis sur la grande route. En exil, la principale préoccupation de Paul Hautelet est la restauration de la paix. Il rédige manifeste sur manifeste et donne d'innombrables conférences. À Genève, en 1916, il publie « Les problèmes internationaux et la guerre », dans lequel il affine sa conception de la future Société des Nations. 60e carton. Le 24 juin 1917, Paul Hautelet est enfin fixé sur le sort de son plus jeune fils. Retour à l'envoyeur, destinataire introuvable. Le pauvre cher Jean n'est plus un disparu. Erne Jean Hautelet, soldat belge. Il est maintenant pour nous un mort. Il y a 2 heures, j'en ai eu l'annonce par Marcel. Le pauvre Jean est mort en héros. Une balle à la tête l'a tué à l'Isère le jour où les Allemands ont passé le fleuve. Cher Jean, cher fils,
Jean dont tous les souvenirs de petit garçon me reviennent, et le souvenir de jeune homme. En lui, je vois toute la jeunesse moissonner, tout le sang qui coule, les millions que d'autres balles, d'autres champs de bataille sont allés atteindre. Et je sens en moi plus forte la haine, non contre les hommes, mais contre tout le système abominable qui a provoqué ce cataclysme. Je me sens plus décidé que jamais à le venger. Le venger en travaillant à ce que son sacrifice soit utile et qu'il serve à ce progrès d'un monde enfin délivré de la guerre. La mort de son fils et la destruction totale de West End déclenchent chez Paul Otley une décision inexorable. Oubliant les miens, oubliant mes intérêts d'affaires, j'ai résolu de me vouer à ce travail immense, d'écrire les conditions d'une cité humaine supérieure entièrement vouée à la paix. Les peuples ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les principes qui doivent désormais se placer à la base de l'ordre nouveau. La guerre internationale est abolie, comme la guerre civile et la guerre privée. Toute guerre est déclarée crime contre l'humanité et réprimée comme telle. Paul Otley. Le 21 novembre 1918, le roi Albert rentre en Belgique. Il est accueilli comme un héros. Pour Paul Otley, c'est le moment de faire triompher ses idées. La future société de nations doit être installée à Bruxelles. Ce sera un gage de paix et une manière de compenser les souffrances endurées par la Belgique. Cher Anderson, vive la victoire qui sera celle de nos idées. C'est le moment de travailler au projet. Que faites-vous? Que proposez-vous? Il faudrait venir ici, maintenant. Meilleures amitiés. Dear Otley, I beg you and Senator LaFontaine to do all that is possible in bringing our project of the city before the peace conference, and that we may be able to build it in Tervueren. Make plans and keep our work alive. Un des buts de la conférence de paix qui se tient à Paris le 24 avril 1919 est la création de la Société de Nations, qui serait chargée d'arbitrer les conflits entre les États. La candidature de la Belgique est écartée par le président des États-Unis, Wilson lui-même. Impossible à ses yeux de choisir un des pays belligérants. C'est Genève qui est pressentie en raison de sa neutralité. La visite du président Wilson et du roi Albert sur les ruines de l'Isère ne change rien à cette décision. En Belgique, la déception est terrible. Otley fait le deuil de Bruxelles et propose à la future Société des Nations la collaboration de son Union internationale. 19 août, nous avons déballé 80 cartons. Le roi Albert, alors en visite à Washington, décide de soutenir les projets de Paul Otley. Il accorde à l'Union des associations internationales l'aile gauche du cinquantenaire en attendant que des bâtiments soient créés à Genève. Une subvention annuelle est allouée par le gouvernement. Ici se réalisera une immense œuvre collective qui rassemblera les portraits vivants de toutes les nations, les résultats prodigieux de toutes les sciences et les merveilles de toutes les civilisations. Dans ses 150 salles, Otley peut enfin mettre en pratique son rêve pacifiste. Offrir à tous une meilleure connaissance du monde. Parallèlement, il poursuit son œuvre de bibliographe. On trouve également au cinquantenaire la totalité de l'Institut international de bibliographie, dont la 12 millionième fiche va être placé dans son casier par le directeur, l'éminent savant qui est l'honneur de la Belgique, M. Paul Otley. En avant, en avant, en avant. Je
Très vite, le vent tourne pour Otley. Dès 1924, suite à un changement politique, le gouvernement belge veut récupérer une partie des locaux du cinquantenaire et pénètre de force dans le bâtiment. Des incompréhensifs, des envieux et des sceptiques se sont ligués contre l'œuvre. Préférer une foire du caoutchouc à un palais mondial. Quelle honte pour notre patrie aimée. La Belgique, une fois de plus, c'est le pays des occasions manquées. Petit pays, petites gens, petites idées. À Rome, Andersen se lance dans une toute autre direction. Dans l'espoir de faire enfin aboutir la cité mondiale, il se rapproche de Mussolini. Dear friend Otley, I am still struggling with the Italian government to have our world city established in Ostia, near Roma. I ask for private audience with His Excellency Mussolini, and I hope to be able to convince him. Affectionately yours, Hendrik Andersen. Mon cher Andersen, vous aimez l'Italie, moi aussi. Mais vous représentez-vous toutes les difficultés de la politique internationale qui s'impose aux esprits à l'égard de ce pays, en ce moment? Déçu par Andersen, dégoûté de la Belgique, Paul Otley cherche à se rapprocher du siège de la Société des Nations. Il veut transférer ses collections et associations à Genève. Pourquoi Genève? Parce que le site est beau, la position centrale, la protection juridique facile. Parce que Genève est synonyme de relations internationales. Parce que c'est là que s'est construit le Bureau international du travail et que va s'édifier celui de la Société des Nations. Septembre. 86e carton. Et voici qu'une nouvelle figure entre en scène. Le Corbusier. Étrange alliance entre l'architecte le plus moderne du moment et le vieux bibliographe. Paris, le 7 octobre 1927. À Monsieur Otley. Bien reçu votre lettre et votre note sur le transfert à Genève du Palais Mondial. Votre idée magnifique et émouvante continue l'initiative que vous avez prise depuis des années. Je suis vraiment avec vous en toute sympathie. Cordialement à vous, Le Corbusier. Bruxelles, le 2 avril 1928. À Messieurs Le Corbusier et Jeanneret. Vous apporterez au projet votre concours d'architecte. Assumant le risque du plan, vous travaillerez avec nous à transformer les chances en réalité. Il s'agit, chers messieurs, d'une œuvre, d'une grande œuvre. Elle requiert toutes les forces de l'intelligence, du sentiment, de la volonté. Mundaneum opus maximum. 7 juillet 1928. Chers messieurs, les plans du Mundaneum sont bientôt terminés. Ils ont été faits très scrupuleusement et ils ne sont pas dépourvus de grandeur, tout en étant foncièrement réalistes. C'est peut-être bien un manifeste d'architecture moderne. Votre ami, Le Corbusier. Le visiteur pénètre dans le musée par le haut. Trois nefs se déroulent parallèlement côte à côte, sans cloison pour les séparer. Au départ de la spirale, les temps préhistoriques et la représentation succincte que nous en avons. Puis les premières époques dites historiques. Et descendant la spirale, à la suite des unes des autres, toutes les civilisations mondiales. Le projet prend de plus en plus d'ampleur. Otley veut une cité mondiale aussi grandiose que celle imaginée par Andersen. Il est question de 566 000 hectares, de 5 millions de francs or, d'une souscription universelle. La cité mondiale sera un livre colossal.
dont les édifices et leurs dispositions se liront à la manière dont les pierres des cathédrales se lisaient par les peuples du Moyen-Âge. Et ainsi, une édification immense s'élèvera avec le temps, de l'affiche à la cité mondiale. 26 juillet, l'heure a sonné, on part dans le large, on lance des ondes, on touchera aux antennes accordées qui par le monde sont capables d'enregistrer. Très heureux d'avoir pu matérialiser votre grande conception, en hâte, Le Corbusier. Brochures et campagnes de presse se succèdent. Les plans originaux et un gigantesque diorama sont exposés à Genève pendant tout l'été 1929. Otley veut calquer la cité mondiale sur le modèle du Vatican, qui vient d'être créé. Mais l'idée d'une zone internationale fait bondir les Suisses. Halte là, monsieur. Halte là. Genève est Suisse et entend le respect. Il n'a que faire de ses projets dans l'univers. Elle vous prie instamment de ne pas la confondre avec un caravansérail. Tant pis pour Genève. D'autres voudront à sa place être le petit nœud d'espoir qu'elle avait commencé à être. Nous voilà sur place, à Genève. Voici, madame, le projet de monsieur Paul Otlet à Genève. Donc, le monde en est homme, la cité mondiale serait là. Le palais des nations est là. Nous sommes frappés par le manque de traces laissées par le projet. Presque pas d'archives, encore moins de souvenirs. C'est comme si les Suisses avaient voulu tout oublier. Nous revoilà à Mons. La crise économique qui atteint la Belgique au début des années 30 rend plus illusoire que jamais le projet de la cité mondiale. Otley ne veut pas s'avouer vaincu. Il s'accroche à ses congrès et à ses rêves. Malgré la situation précaire du palais mondial face au gouvernement, il ne pense qu'à étendre ses collections. Ne jetez pas les imprimés ni les documents. Ne les détruisez pas. Ne vous en servez pas comme de vieux papiers. Ne les donnez pas à qui n'en ferait qu'un usage infâme. Nous recherchons livres, brochures, revues, journaux, catalogues, prospectus, circulaires, publications de propagande, cartes, photographies, dessins, diagrammes, cartes postales illustrées, échantillons spécimens. Alors, j'ai trouvé ici des choses sur la cité mondiale à Anvers. 2 octobre. Nous atteignons le 100e carton. Aménagement du territoire sur la rive gauche de l'Escaut. Mon cher ami, je reviens sur la question d'Anvers. Il y a des possibilités très intéressantes. Le concours est ouvert pour l'aménagement de 1000 hectares de terrain en face d'Anvers. Une nouvelle fois, Paul Otley s'enthousiasme pour ce nouveau projet et contre toute attente, Le Corbusier le suit. 26 mai 1933. Cher ami, excusez mon silence, nous avons travaillé comme des nègres. Sur le plan, la cité mondiale est insérée comme si elle était construite depuis les temps les plus reculés, tant elle est en harmonie avec le reste. La cité mondiale reçoit immédiatement un statut autonome à l'initiative du gouvernement belge. À toi, Anvers, Antwerp, Antwerpia. À toi, l'ancienne, la noble, la toujours vivante. Veuille accueillir ce projet, la cité mondiale, le Mundaneum. Il est largement inspiré par toi, largement dessiné pour toi. Puisse-t-il aussi être réalisé avec toi? L'affaire tourne court. Il n'y aura pas de cité mondiale en face d'Anvers. Pourtant, Le Corbusier continuera jusqu'au bout à être fidèle à Paul Otley. Nouvelle surprise. Dans ces années où tout va si mal, où le répertoire bibliographique s'enlise, Paul Otley se lance dans la réalisation de films d'actualité. Un par semaine, qu'il projette le dimanche matin au Palais Mondial.
Dimanche 24 mars 1934. Berlin. Le service militaire devient obligatoire. Les Allemands acclament. Massés sur la place du château, les troupes de la Reichswehr attendent l'arrivée de Hitler. À Paris, au Parc des Princes, premier salut hitlérien par les supporters allemands. À Rome, Mussolini présente ses deux fils aux fêtes de la jeunesse fasciste. L'Europe tremble. La paix est en danger. Le 1er juin 1934, en arrivant au cinquantenaire, Paul Hotelet trouve les portes fermées par ordre du gouvernement. Il alerte immédiatement la presse et campe plusieurs jours devant l'entrée avec ses fidèles. Le palais mondial est mort, les collections à l'abandon, la bataille du cinquantenaire. Dans sa propre maison de la rue Fétis, Hotelet installe un secrétariat provisoire tandis qu'un comité de défense s'organise. Opinion publique, alerte-toi. Le palais mondial a été fermé de force. Les archives et les collections sont séquestrées. Que veut-on abattre dans le palais mondial? Est-ce l'œuvre de paix, de documentation intégrale, de saine démocratie? Veut-on tenir l'opinion publique dans l'ignorance systématique de ce qui se passe dans le monde? Tous exigeaient avec nous la réouverture du palais mondial. Cette même année 1934, au milieu de pires ennuis, Paul Hotelet publie son livre le plus important, le traité de documentation, le livre sur le livre. C'est là qu'on trouve les pages les plus visionnaires où émerge déjà le concept de l'ordinateur. La table de travail n'est plus chargée d'aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée, un téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements. De là, on fait apparaître sur l'écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone. Un écran serait double, quadruple ou décuple s'il s'agissait de multiplier les textes et les documents à confronter simultanément. Il y aurait un haut-parleur si la vue avait besoin d'être aidée par une donnée oui, et ce perfectionnement pourrait aller jusqu'à rendre automatique l'appel des données sur l'écran. Cinéma, phonographe, radio, télévision, ces instruments tenus pour les substituts du livre sont devenus en fait le livre nouveau, les œuvres au degré le plus puissant pour la diffusion de la pensée humaine. Ce sera la bibliothèque irradiée et le livre télévisionné. Amie Lisa, ces dernières épreuves apportées par Guillaume, dat was de naam van de drukker, de achternaam van de drukker, après 5 mois de travail à la même table. À ton tour de semer par le livre et le pré-livre la parole, le bon grain pour documentation, institut et mandaneum. Paul Hotelet, 1933-07-20. Deze tekst heeft professor Hotelet geschreven in mijn exemplaar van het traité de documentation. Ik ben in de herfst van 1932 daar gekomen als au pair meisje, maar in plaats van in het huishouden te werken, hielp ik de heer des huizes met het ter perse brengen van zijn handboek over documentatie. Dat is in onze documentatie- en bibliotheekkringen een van de standaardwerken op dat gebied. En als ik het wel heb, heeft Hotelet ook het woord documentation voor het eerst gebruikt. Zoals hij ook het woord monde, mondial, voor het eerst heeft gebruikt. Mijn werk bestond erin het boek zo ver te krijgen dat de drukker het kon produceren. En dat hield dus in dat ik probeerde, waar het hier en daar slecht leesbaar was, de tekst leesbaar te maken. Ik had er een speciale bril voor. Je ziet dus hier heel goed die tafel. Hier zat ik en hier zat oom Paul. Een enorme tafel was het. Hij had veel gevoel voor humor. Hij was ontzettend knap. Hij was altijd bereid om naar de ander te luisteren. Het gekke is, hij sprak heel mooi Frans, maar hij was niet begaafd voor talen. Zijn Engels was execrabel.
Ja, hij was exceptioneel. Wat vader zei, als een universeel genie. Constamment, je classe en ma tête les relations nouvelles et je ramène tout à la conception cyclique. Je pense en la catégorie de l'universel et du cosmos, ramenant tout à un très petit nombre d'idées essentielles. Novembre, 110e carton. Devant la situation politique de plus en plus angoissante et les difficultés innombrables qui s'abattent sur le palais mondial, Paul Otley cherche à s'exiler et propose, le 15 mai 1939, son œuvre au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Les hommes sont arrachés de la grande édification. Pour en sauver l'essentiel, il faut l'arche. Navis Mundaneum. Maintenant, elle surnage les flots déchaînés. Elle vogue à pleine voile vers le soleil qui déjà embrase le vaste horizon de tous ses feux. Novembre 1939. Heure de l'angoisse extrême. Les deux fronts vont se précipiter l'un sur l'autre. Heure où la toute petite Belgique, pour la deuxième fois, peut être entraînée dans une guerre qui n'est pas la sienne. Horreur. La Société des Nations, muette et résorbée, nous a tous déçus. Le lieu qui aurait dû être sacré pour la coopération a été utilisé comme champ clos des égoïsmes et des rivalités. Il faut recommencer à zéro. Le monde bascule dans le chaos. Et Otley se perd de plus en plus dans son obsession. Sauver l'œuvre de sa vie. Préserver le Mundaneum. Pour assurer une paix juste et durable, Maréchal Pétain. Ô grand de ce monde, vous qui avez été appelé à être l'incarnation du plus profond de la France, qui fut toujours au cours des âges, si vite, qui avait dit si souvent que vous étiez asiatique, oui, Mussolini, communiste. Churchill, vous n'êtes pas seulement Lord Churchill et le premier ministre de l'Empire de France. Cette entité formidable qui comprend plus de 5e de la Terre et de ses habitants. Vous avez dit un jour, qui n'est pas très longtemps, que les forces entrapaient la si grande Suisse. Vous représentez le ciel. Puissiez-vous intervenir en faveur de l'organisation internationale et de l'un de ses plus puissants moyens, la cité mondiale. Décembre, 122e carton. C'est une lettre pour Hitler. Au Führer, 1941, mars 10. Excellence, au moment où s'opère à Bruxelles la dispersion du palais mondial, notre pensée se tourne vers vous. Vous qui avez la responsabilité du Reich et qui par le Reich participez à la responsabilité du monde, nous vous invitons à considérer le projet de la cité mondiale qui pour l'Allemagne présenterait de grands avantages. Cette demande est largement désintéressée. Cette demande est largement désintéressée. Puisse cette idée rencontrer votre adhésion profonde. Paul Otley. Cette proposition de la cité mondiale à Hitler ne va jamais se concrétiser. Les Allemands se méfient de Paul Otley et le surveillent de près. Lors de perquisitions, ils trouvent chez lui des centaines de livres considérés comme anti-allemands. De plus, ils le soupçonnent d'être à la fois franc-maçon, pacifiste et communiste. À partir de janvier 1941, le palais mondial passe sous juridiction allemande et les collections sont expulsées, manu militari. Tout était projeté, cassé. Détruit à coups de pied, à coups de bottes, à coups de crosse. Et on créait des pyramides d'objets du palais mondial. Et on était là, impuissant à voir donc cette destruction systématique. Évidemment, en quelques jours, avec quelques centaines de soldats, tout fut démoli. Et nous avons eu comme charge de prendre, de tâcher de réparer et de transporter tous les débris du palais mondial au parc Léopold.
douter. Seul, même devant l'immensité indifférente et hostile. Jouer la dernière chance, la probabilité ultime qu'offrirait le hasard des choses. Œuvrer et ne pas douter. À la libération de Bruxelles, Paul Otley se rend devant le palais mondial au cinquantenaire, dont il reprend la possession symbolique. Ensemble, réjouissons-nous de la libération. D'un même élan, restaurons cette grande œuvre bouleversée, meurtrie et mutilée. Préparons la cité mondiale. Paul Otley meurt dans la nuit du 10 décembre 1944, à l'âge de 76 ans. Les collections du Mondaneum restent entreposées au parc Léopold 172, date à laquelle la ville de Bruxelles exige de récupérer ses locaux. Selon la formule d'un de ses responsables, le Mondaneum devient le juif errant de la documentation mondiale. À chaque déménagement, des pans entiers des collections disparaissent. 80 tonnes détruites en 1970, 23 tonnes en 1980, 6 containers en 1993. Et finalement, c'est le sauvetage à Mons en 1996. Paul Otley a emporté avec lui ce rêve de pierre et de papier, cette utopie de la cité mondiale, destinée à rassembler et à diffuser le savoir universel. Pourtant, il ne s'était pas trompé. La cité mondiale s'est incarnée dans ces connexions invisibles qui nous relient les uns aux autres, d'un côté à l'autre de la Terre, grâce à Internet. Sous nos yeux est en voie de se constituer une immense machinerie pour le travail intellectuel. Cette machinerie constituerait un véritable cerveau mécanique et collectif. Un système de publication universelle, condensant l'ensemble des données fragmentaires et individuelles, et tenu constamment à jour, doit être constitué pour chaque branche des sciences et des activités. Ce réseau doit relier entre eux les centres producteurs, distributeurs et utilisateurs. Toute personne ayant quelques données à faire connaître, quelques propositions à présenter ou à défendre, peut, au moindre effort, et avec un maximum de sûreté et d'abondance, entrer en possession de ce qui lui est offert. Travaillons tous ensemble pour la liberté.